Il y a quelques jours, j'ai reçu la vidéo d'un des combats que j'ai fait il y a environ 2 mois pour la fédération Remix Wrestling. Oui, ça paraît un peu lointain, 2 mois, mais bon, parfois les délais dans le catch, tu reçois pas tout le lendemain. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de te partager les images du combat. Je vais pas te mettre tout le combat en entier parce que je conçois que c'est assez long de regarder un match en entier. Donc, je t'ai fait une petite compilation des moments clés du combat. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me laisser savoir ce que tu en penses en bas dans les commentaires. Tackles here by Stone, should I say. But Bjorn Hawken not letting James Stone get too much out of him. But Stone still capitalizing. Here from Remix Wrestling, and now Bjorn Hawken being taken to the outside. Stone, evil intentions, taking flight. Oh, gets caught. Hawken clutching him and throwing him into the ring post. Strength here, planting Stone on the side of the ring, the hardest part of the ring, ladies and gentlemen. Down and out, he can always pull something out in the ninth inning. Just like that knee to the face there to Hawken. But Hawken, beautiful jumping drop kick, and a little too long to give Stone breath. And now here comes Stone going to the corner, but the big boot phone stunned. And oh, look at that athleticism there from Hawken trying to get to the top rope. Stone able to counter. From Stone, but back holy here, we got a big shit! My goodness, a massive superplex there. First, and then Hawken. Hawken blocked. Stone blocking Hawken and punch. And back and forth here is Hawken trying to get something going, but Stone able to find the opening and get some strikes in. Now taking, gets thrown to the ropes. Allen able to take down Hawken as James Stone. And now a burst of energy with a big back elbow. Stone trying to get Hawken into the corner. Stone's acting very smart here, keeping Hawken off of his feet, taking the big vertical man off of his base. But here comes Hawken and here comes Stone. Both of these men just putting it out on the line, neither one conceding an inch. Fireman's carry, all able to slide through. Fall through here, Stone, 1-2. Trying to get him set. Lifting DDT, able to take and him down. Cover. 1-2. Oh. Similar styles. The scrapper with a huge chop, but Hawken responds with an elbow. Multiple elbows to the head. Both of these men, hard, heavy hitters. Trying to get Stone up. But Stone able to Stone counter. Grabbing Hawken. Fireman's carry. Hawken reverses, pushes Stone. And Hawken. Stone. Over the top. Neither one has really had it. We've seen some momentum shifts between both competitors. James Stone now going to the ropes. And Hawken then able Hawken to kick responds. Up. Able cover. To take it down. Hook the leg. 1-2. Oh, James Stone. And now Hawken getting his eyes set. Oh, gets tripped up, and that's the veteran experience there. Fear you, big bastard, and he did, and it connects. Stone planting Hawken with the cover. 1-2. Oh, Hawken reverses. Oh, the referee has been knocked. Right into the referee. The referee's been rocked here. Oh, the low blow. The referee didn't see it. Locked Noopy, and now here's Bjork Hawken with the backbreaker. He will take down Stone. Proud. Oh, going low. Him in the dick. Well, if you go low one way, I'm going to go low as well. Pile driver. Oh, pile driver. Right off the top of his head. 1, 2, 3. And that's it. Là, le combat que tu viens de visionner, c'est un combat qui date d'il y a quelques semaines maintenant, c'est un combat assez ancien. Mais par contre, il y a un combat que j'ai eu la semaine dernière, là au moment où je te tourne la vidéo, et à l'issue de ce combat, j'en suis pas vraiment ressorti indemne. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression d'avoir une mini commotion, j'ai une petite mal de tête, j'ai un peu des sifflements qui se font le soir quand je suis dans mon lit, j'entends quand même un petit sifflement, et donc ça souvent c'est des symptômes de commotion. Dans le combat, j'ai fait une prise et je pense que ça vient de là. C'est-à-dire que j'ai fait comme un DDT, donc t'avais le gars sur mon épaule, il a tourné et puis il a fait un DDT, et puis je me suis mangé la gueule sur le sol. Et ma tête, enfin j'ai un peu mal atterri, ma tête elle a un peu fait ça sur le côté, tu vois, elle s'est tordue sur le côté. Et j'ai aussi des petites tensions dans la nuque, enfin dans la nuque, dans le cou plutôt. Donc ça me fait un petit peu chier, et aussi tant qu'on parle de douleur, une petite douleur dans les côtes, donc je suis un petit peu inquiet, mais pas tant que ça, parce que ça s'améliore de jour en jour. Ce qui m'inquiète le plus, c'est parce que j'ai 2 shows en fin de ce week-end, donc ici au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi,
Et samedi et dimanche, j'ai deux shows, enfin j'ai un show par jour. Donc ça me laisse 3 à 4 jours pour récupérer. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer cette semaine. En ce qui concerne la commotion, je vais surveiller ça de près. Et si ça s'améliore pas, je vais aller consulter un médecin, tout simplement. Mais ça va. Pour l'instant, je suis assez, j'ai assez d'espoir parce que c'est pas un mal de tête persistant. En fait, j'ai même pas mal à la tête du tout. C'est plus le côté des sifflements un peu le soir. Je vais surveiller ça et j'espère que ça va diminuer parce que ben voilà, une commotion c'est super grave. C'est quelque chose qui peut vraiment t'handicaper dans une carrière de catch. Il y a des catcheurs qui ont arrêté leur carrière à cause d'une commotion, mais j'en suis pas à ce stade là, c'est pas une commotion grave. Je m'inquiète pas trop pour ça, je pense que ça va passer, je vais pouvoir récupérer de ça. Et après ici donc cette semaine, j'accentue vraiment cette semaine sur la récupération. Je me prends des bains froids à tous les soirs. Je prends d'abord, tu sais, je prends une douche normale et puis je mets de l'eau, je mets l'eau le plus froid possible à la baignoire et je rajoute de la glace dedans pour que ce soit encore plus froid. C'est un petit peu dur psychologiquement, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Quand je sors d'un bain froid, je me sens super bien après. Ça fait 2 jours que je fais ça ici et franchement, je le sens sur mon corps. J'ai beaucoup moins de courbatures. Enfin, mes courbatures partent plus vite et elles durent moins longtemps. Et du coup, ça me donne un petit coup d'espoir vraiment pour être à 100% pour moi pour le week-end qui arrive et pour pouvoir catcher sans douleur. Bon, après, j'espère que pour le reste, tout va s'atténuer. Mais je suis assez confiant. Donc, je vais me concentrer là-dessus ici pour les prochains jours. Et bien sûr, je vais te tenir informé de tout ça dans les prochaines vidéos. Et si tu veux me suivre d'un peu plus près, tu peux me suivre aussi sur Instagram. N'hésite pas à m'ajouter. Et je publie assez souvent, que ce soit en story ou des publications, si jamais ça t'intéresse de suivre mon aventure catch. Voilà ce que je vais mettre dans ma baignoire. 2,5 kg de glace, de cubes de glace. 2,5 kg, ça paraît pas gros, c'est vrai que c'est pas grand chose, mais ce sera largement suffisant pour rendre l'eau très froide. Le tout, c'est de rentrer. Après, une fois que tu es rentré, c'est bon. Les premières secondes, c'est un peu difficile à s'adapter. D'ailleurs, j'espère que le son est pas trop dégueulasse. Il y a ma caméra qui m'a lâché, donc je filme avec mon téléphone. Mais franchement, ça dépend des jours. Je pensais que ça allait être pire que ça et je suis rentré assez facilement. Parce que je te dis, les premières fois que j'ai fait ça, c'était compliqué pour rentrer dans l'eau froide comme ça. Mais je remarque que le corps s'adapte en fonction du nombre de fois que tu le fais. Et là, l'objectif pour moi, ça va être de tenir 5 minutes. Franchement, ça se tient assez facilement. C'est un peu compliqué au début, mais là, franchement, au fur et à mesure que tu le fais, les 5 minutes, ça passe assez vite. Et là, pour te citer rapidement les bienfaits des bains glacés, ça va booster ta dopamine, ça va réduire les risques d'inflammation, ça va booster ton système immunitaire. Tu vois, c'est pas uniquement basé sur la récupération, mais c'est aussi basé sur la santé de manière générale. Et sur le peu de temps que je fais ça, j'ai déjà pu remarquer une différence. Surtout dans mon sommeil. Je sais que ça favorise aussi le sommeil. Tu as des nuits plus réparatrices, tu dors mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu constater ces derniers jours. Et donc, je pense que je vais continuer à faire ça plus régulièrement. Ici, c'est quelque chose que je fais tous les jours parce que je sens que mon corps a besoin de plus récupérer par rapport aux autres semaines. Je vais faire les fréquences, ça va dépendre en fonction de comment je me sens physiquement. Après, je pense que je vais faire ça plus occasionnellement. Ça va dépendre des shows, de l'intensité des shows que j'ai et tout ça. Parce que souvent, quand j'ai 2 shows d'affilée, voire 3 shows d'affilée, c'est un petit peu plus difficile en ce qui concerne la récupération. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais faire ça soit après les shows, ou alors peut-être après une séance de muscu. Mais je vais peut-être pas faire ça tous les jours. Donc voilà en ce qui concerne la vidéo. Moi, ici, je vais terminer mon bain. Il me reste 2 minutes. Donc je vais prendre le temps de bien immerger, il faut immerger bien le haut aussi. Oh, c'est bon. Je vais finir ça
Et évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.